Classement des pays bénéficiant des investissements chinois en Afrique, le Maroc en tête. Benzema en tenue saoudienne, une nouvelle polémique secoue l'extrême droite française. Classement des pays bénéficiant des investissements chinois en Afrique, le Maroc en tête. Ces dernières années, la Chine a injecté d'énormes capitaux en Afrique, suscitant l'inquiétude de l'Occident. L'Union européenne prévoit un plan colossal de 340 milliards de dollars pour contrer l'initiative chinoise Belt and Road. L'Afrique, riche en ressources, est devenue la reine de compétition des puissances mondiales. La Chine, en avance sur d'autres pays, gagne du terrain, notamment face à l'ancien colonisateur français. Plusieurs nations africaines profitent de ces investissements. Qui devrait encore croître dans la prochaine décennie. Selon l'EU, The Economist Intelligence Unie, l'Afrique du Sud occupe la 13e place mondiale parmi les 80 pays bénéficiaires des investissements chinois, dominants en Afrique. Suivent l'Égypte, 17e mondiale, et le Maroc, 33e mondiale. Pour la décennie 2024 à 2033, le classement des pays africains les plus attrayants pour les investisseurs chinois place l'Algérie en 4e position africaine et 38e mondiale. Viennent ensuite la Tanzanie, 42e, l'Angola, 53e, le Nigeria, 56e, l'Ethiopie, 58e, la Zambie, 63e, la RDC, 67e, le Kenya, 68e, et en dernière place, la République du Congo, 76e. Ce classement de l'EIU repose sur 200 indicateurs couvrant opportunités, risques, ressources naturelles, performance des chaînes d'approvisionnement, développement technologique et innovation. Il tient également compte des relations sino-africaines. Benzema en tenue saoudienne, une nouvelle polémique secoue l'extrême droite française. En France, la polémique ne semble jamais s'éteindre. Après des jours de débats enflammés concernant la et son statut islamiste, une nouvelle controverse fait surface et une fois de plus elle touche au sujet de l'islam. Dans un pays où les politiciens sont souvent en déconnexion avec les préoccupations de la population, cette nouvelle polémique s'empare de l'attention médiatique, alors que les Français font face à des défis économiques de plus en plus pressants, avec une érosion constante du pouvoir d'achat. Les prix des carburants grimpent en flèche, les factures d'électricité augmentent, et les aides aux citoyens sont réduites. Les observateurs craignent une possible explosion sociale en l'absence de solutions tangibles de la part du gouvernement. Dans ce contexte, de nombreux activistes estiment que l'attention du public est détournée vers des questions sociétales de moindre importance. Aujourd'hui, c'est la tenue de Karim Benzema qui suscite l'indignation. Le footballeur a récemment partagé une photo de lui en tenue saoudienne, et cela a suffi à faire réagir Jordan Bardella, le chef du Rassemblement national. Ce dernier a accusé Benzema d'être affilié à l'idéologie islamiste, en déclarant, Je pense qu'il est un compagnon de route de l'idéologie islamiste. Au moins, il est cohérent. Il veut un mode de vie islamiste, il est parti en Arabie saoudite. La photo du joueur était accompagnée de la légende, Regarde la vie qu'on a. Bonne fête nationale saoudienne. Cette publication a déjà récolté plus de 2,5 millions de j'aime, ce qui promet des débats animés dans les jours à venir. La question principale sera de savoir si cette tenue est traditionnelle ou a une signification idéologique. Une autre interrogation émergera également ⁇ Karim Benzema s'est-il radicalisé en Arabie saoudite ⁇ Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.